allons-y. Regarde, il y a un batteur couvert là-bas. S'il n'y a aucune urgence. Tiens ! Suis-moi, Atreus. Je suis. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Ah bon? D'accord. T'as-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière, elle les isolait. Quoi? Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûre que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elles paraissaient... maléfique. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai dit que ça ne nous regardait pas. Incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais... la guerre gâche tout. Tu vois avec les yeux d'un enfant. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le... il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi... tu connais la guerre.
pas vrai? Les guerres sont motivées par deux choses, la survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. La porte bleue, ça doit être l'entrée. Allons-y. Fais attention, Atreus. Qu'est-ce qu'ils font? Le pont a disparu. Ils ont recouvert le cristal de cette chose. Pourquoi? Pour empêcher l'arrivée des renforts. Allez, c'est parti. On peut peut-être rétablir le pont en descendant. Oui, ça a marché. Enfin, je crois. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Nous sommes sur leur territoire. Attends, si on les associe comme ça, ça ressemble un peu à une rune. Et ça veut rien dire. Viens, retournons au bateau. Qu'est-ce que c'est? D'après Sindri, Ner était une guerrière.
Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte. Sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes ? Non. Les piliers et l'anneau forment une rune elfique. Quelle est la question ? Sans moi ou en moi, ta mort est sûre, mais en toi, je rends la vie plus pure. Oui, c'est forcément l'eau. Atreus ! C'était encore des voix. Mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas en colère. Elles demandaient de l'aide. Nous sommes là pour la lumière. Je me fiche de ces voix et de ce qu'elles veulent. Tu te fiches de tout, de toute façon. Tu as quelque chose à me dire ? Non. Lover. Qu'est-ce qui se passe ? Regarde ce qu'on a trouvé! Père? Oui. Les voix que j'ai entendues, elles étaient dures à distinguer, mais dans le fond, je suis presque certain d'avoir reconnu ma main. C'est impossible. Mais je sais ce que j'ai entendu. Atreus, ça suffit. Il est pas comme les autres. T'as vu ses cornes? Mets-toi derrière moi. C'est pas bon signe. Ça a l'air mal en point.
crois que ce couloir latéral mène au temple? On va bientôt le savoir. Je vois. Malin. Très malin. J'avais tort tout à l'heure. Ah oui? Je reconnaîtrais la voix de maman entre mille. C'était elle. Elle nous a quittés, Atreus. Inutile d'en parler. D'accord.
On peut pas traverser. Dommage que la corde d'arc de la sorcière ne fonctionne plus. Non, ça n'a pas marché. Dis, tu crois que la sorcière va bien? Je m'en voudrais de savoir qu'elle est morte en essayant de nous aider. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui. Encore cette chose. Bon, ça n'a pas marché. Ça a pas l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. En bas, t'as vu? Ça a pas l'air de marcher. C'est pas ça.
Ça a pas l'air de marcher. Si on en coupe suffisamment, le pont en dessous de nous devrait réapparaître. D'accord. Ça ne va pas être si simple. Oui. Attention, père!
couvre nos arrières. Tu la gèles d'abord, pas bête. Il faut trouver un moyen de monter. La lumière ne crée pas que des ponts, on dirait. Ça nous permettra peut-être de remonter. Regarde, la porte bleue, on a réussi! Tu sais, je m'habituerai jamais à marcher sur cette lumière solide. La porte, il n'y a pas de séparation. Quoi ? On a un problème. Ces portes ne s'ouvrent pas. Eh oh ! Je comprends pas, pourquoi construire des portes dans ce cas ? Eh oh ! Viens, on va trouver un autre moyen d'entrer. Encore le nain. Sindri ? Eh, Sindri, on a quelque chose... Wow ! Vous avez tué un ancien ? Oui. C'était... Oui. C'est... Oui. Au travail. Thank you.
avait quelque chose d'autre ? Par ici. Mais comment Sindri a-t-il pu nous devancer ? C'est vrai qu'il voyage vite, lui, le Nabo bleu. On est à l'intérieur. Granatulla. Évidemment. Incroyable. Atreus, suis-moi. Là, la lumière. Elles l'ont recouverte de cette chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Regarde, un autre elfe blanc. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non ! Pourquoi il le tue ? Il a rien fait. Arrête de supposer. Tu assistes à la fin d'une guerre, Atreus. Tu ignores comment ils en sont arrivés là. Mais il s'est même pas défendu. C'était son choix. Nous faisons les nôtres.
La lumière est tout près. Cherche un passage. Ça a marché. Regarde, d'autres ponts de lumière. Suis-moi. Ça va, mais tu peux mieux faire. Oh!
tu rétablis tous les passages. Compliqué. On trouvera peut-être la lumière ailleurs. Non, laisse-moi essayer. Tu vois, c'est impossible. Allons-y. Attends. Go!
Je pense pas qu'on devrait être là. Silence. T'as entendu ? Reste sur tes gardes et ne t'éloigne pas. Dis, quand on aura atteint la lumière, comment on la fera rentrer dans le Bifrost, à ton avis ? La sorcière a dit d'entrer dedans. Vraiment ? Juste avant d'être arrachée à ce royaume. Comment lui peut rater ça ? Tu étais plus préoccupé par son sort que par notre objectif. Silence. Je le tiens. Écoutons vite. C'est pas passé loin. Ne t'éloigne pas de moi, Atreus. Pas besoin de me le répéter. Gina, Luna, on voit un autre. Reste là. Aide-moi. La lumière. Nous sommes tout près du but, mais on doit rester prudent. Compris? Tu es blessé. Non, ça va. Waouh, c'est magnifique. La lumière, elle fait réapparaître le temple tout entier. C'est la source de tout. Écoute, elle chante. J'entends. Je l'entends. Je t'avais dit que c'était elle. Tu crois qu'elle est ici ? Ah ! Ah ! Oh ! Ça fait vraiment mal, comme si ma main était en feu. Reste ici. Mais je veux dire... Tu restes ici. Ne l'utilise qu'en dernier recours. Tu me donnes ta hache ? Je te laisse tenir ma hache. Ce n'est pas un cadeau. Quand même. Il faut que tu reviennes. Tu m'as laissé tout seul. Atreus. Avec lui. Il part sans arrêt. Il est jamais là. Il veut pas de moi et il m'acceptera jamais. Je sais rien de lui, et il sait rien de moi. Mais je l'intéresse pas. Je suis fort et intelligent. Je suis pas comme il l'imagine.
Je sais que j'ai raison. Il me parle jamais. Il veut rien m'apprendre. Ça aurait dû être lui. Tu m'entends? Lui, pas toi. Mais je le pense pas vraiment. Tu sais que je l'aime. Je voudrais juste qu'il soit meilleur. Je sais qu'il en est capable. S'il fait des efforts, j'en ferai aussi. Mais sinon... Je t'en prie, reviens. Je sais que t'es là quelque part. Tu t'as pris ! Je t'ai sauvé ! T'étais coincé là-dedans ! J'ai attendu encore et encore, mais comme tu revenais pas, alors je t'ai tiré de là ! Atreus ! Je ne suis parti que quelques... minutes. Non ! T'es parti vraiment ! Très longtemps ! Je savais plus quoi faire, tu m'as abandonné ! Encore une fois ! Pourquoi tu t'en fiches ? C'est impossible. On devrait partir avant qu'ils reviennent. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais. Oui.